Du jour de ta naissance, je n'ai que de merveilleux souvenirs. Je n'ai pas le sentiment d'avoir mal vécu cette annonce inattendue ou d'avoir eu un coup de poignard au cœur. Mon caractère a fait que je n'ai retenu que le positif de cette journée. Je venais d'avoir un bébé, j'étais heureuse. Deux bras, deux jambes, une tête, un magnifique bébé. Certains penseront alors que j'étais inconsciente, mais en fait, je pense que peu importe l'annonce que l'on aurait pu me faire, je t'aimais déjà de tout mon cœur à l'instant même où je t'ai aperçue. Pour moi, tu étais comme les autres, même si je ne me doutais pas à quel point notre vie allait être bouleversée, nos projets bousculés et nos cœurs chavirés. Longtemps, je me suis sentie coupable. Je m'en suis voulu. Je me demandais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné chez moi. Tu as fait un gros dodo déjà. Debout. Allez. Ah, voilà. Oui. Hein? Tu te réveilles? Tu te réveilles ou pas? Allez. On va se lever? Maman ouvre la fenêtre? Viens, on va se faire beau, on va mettre du parfum. Moi, le premier souvenir que j'ai, c'est celui de cette fameuse pièce d'hôpital, le jour où on t'a présenté à moi. Le médecin avait alors pointé du doigt toutes les caractéristiques de l'enfant trisomique et les différences entre un enfant classique et toi. Ça m'a marqué. Je n'étais pas prêt à une annonce pareille. Le début d'une histoire qui n'était pas prévue. J'ai ressenti beaucoup de colère envers tout le monde et finalement envers personne. Je la ressens encore aujourd'hui, cette culpabilité. Pourquoi toi? Même si je ne te changerai pour rien au monde, car tu es avec ton frère Mathéo les plus beaux cadeaux que nous ayons eus. Tu veux qu'on prenne un puzzle? Thank you.
Ça y est, c'est bon? Allez, tu peux mettre tes affaires dans le couloir et je le mettrai. Peut-être toi, même celle de ton frère. Je mettrai la machine. Et le lit. Très bien. Mets le bras. L'autre. Presque. C'est bon, parfait. J'avais 3 ans quand tu es né. Mon premier souvenir de toi remonte à un jour très précis. Nous étions chez notre oncle et tu t'es étouffé. Tu as fait une fausse route en prenant ton médicament. On t'a évacué et hospitalisé en urgence et tu es resté plusieurs jours dans le coma. Puis il y a eu des complications, un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Tu as lutté pendant 1 mois et demi. Ça m'a marqué. J'ai eu si peur de te perdre. J'ai alors compris combien je t'aimais. C'est pour cela que je me sens si proche de toi. Tu représentes tout pour moi. C'est vrai que je te considère un peu comme un grand bébé, qui restera mon bébé pour la vie. Et je me sens responsable de toi. Je ne sais pas comment ce serait la vie avec un autre frère, mais je suis très heureux de t'avoir toi, tel que tu es. Quel coco, t'es trop beau. Oh, tous les deux pareils. Tu me fais un bisou, toi? Ah, t'es pas trop, hein? Non, ça va, je te laisse. Mais père. Hein? Non, 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 c'est moi. T'as fait de la peinture? Peinture, feutre, collage. Viens, on va regarder le feu comment il est. Fais-moi un bisou d'abord. Oui, tu es un grand bébé et cela risque de te poursuivre longtemps. Mais un grand bébé avec un sale caractère. Chez toi, pas une once de caprice ou d'exigence. Tu es calme, mais tu peux déménager la maison en 3 minutes. Gentil, gourmand, comme moi. Tu es un peu fainéant. Tu n'aimes pas beaucoup bouger, sauf si tu es motorisé. Je me retrouve beaucoup en toi. Tous les deux, nous avons tissé un lien extrêmement fort. Oh,
tu comprends tout ce que je veux te dire et moi, de mon côté, je te reçois complètement. Et tout ça, rien qu'avec les yeux. Je souffle ou pas? Je souffle. Tu aimes nous écouter. Tu réponds par de petits bruits ou avec un baiser. C'est une manière d'acquiescer. On communique bien et moi, ça me va. Même si je dois parfois deviner ce que tu veux. Peut-être de temps à autre te fais-je dire ce que je veux. Le fait est que tu ne me contraries jamais. Je ne te sens pas frustrée. En fait, tu sembles te contenter de tout. Tu es plein de douceur. Tu ne pleures pas beaucoup, seulement quand tu as mal, et là, tu sais me le faire sentir. Tu es toujours souriant. Tu es notre rayon de soleil. Je me suis posé tellement de questions. Comment t'es levé? L'avenir a probablement été la problématique qui a soulevé le plus de questions. On ne nous a pas assez guidés. Avec du recul, même si on nous avait donné un mode d'emploi, ta mère et moi, nous ne l'aurions pas suivi. Les enfants sont tellement différents. À mes yeux, tu es un enfant classique. Sans différence, doux. Merci. Qui ne demande que de l'amour et qui en donne beaucoup. Une boule d'amour. Tu n'es qu'innocence. Tu es tellement facile, tu ne te plains jamais. Tu m'as permis d'avoir une vision différente et d'échapper à la vision rigide et unique de ce que doit être un enfant plus tard. Où est la normalité? Avec toi, j'ai appris à relativiser beaucoup de choses. Ça m'a aidé à me situer. Il y a beaucoup mieux et bien pire. T'avoir, Andrea, c'est se situer dans la vie. Je pense très souvent à ce qu'aurait pu être ta vie sans ce handicap. Je côtoie beaucoup d'enfants, au foot par exemple, ils courent, s'amusent, et je me dis merde. Il aurait pu faire ça, lui aussi. Bientôt, il y a le papa Noël qui va venir à la maison. Hein, André? Bientôt, il y a le papa Noël. Il va emmener beaucoup de cadeaux, André. Beaucoup, beaucoup.
Notre famille n'est pas si particulière. T'es toujours dans ma chambre. Hein? Nos parents ne sont pas séparés. Alors, quel livre tu veux? Nous sommes tous très unis autour de toi. Harry Potter? Nos grands-parents aussi sont toujours là pour toi. Putain. Nous resterons toujours collés. Allez, viens. Toi, tu m'apportes une envie de tous les instants. Franchement. L'envie de t'apprendre tant de choses. L'envie de m'occuper de toi tous les jours. Ils sont déguisés, les petits. T'as vu? Ils sont déguisés comme toi. J'aimerais t'apprendre à parler, à écrire. Même si tu ne dis que quelques mots, j'arrive à te comprendre, car tu sais me dire des choses. Mais j'aimerais tant que tu me dises beaucoup plus. Moi, c'est la maman. Des détails, par exemple, sur tes envies, sur tes sentiments. Je sais que tu aimes la musique, mais quel titre veux-tu écouter? Qu'est-ce qu'il y a? Tu me montres le lit, mais est-ce que tu veux vraiment dormir? C'est qui ça? Tu mets un caillou sur la tête de ton chien, mais pourquoi? C'est Peter Pan. Oh. Qu'est-ce que tu fais? Je me demande toujours ce que tu as dans la tête. C'est ton pied. Ton pied. Il est pas beau, hein? Non, il est pas beau, il est pas beau. Oh, il est pas beau, il est pas beau, il est pas beau, il est pas beau. Il est pas beau, il est pas beau, il est pas beau. Au collège, je pense constamment à toi. Je me demande si je te manque lorsque je ne suis pas là. Parfois, je dis à papa et maman. Mais que pensent-ils? Je sais que tu ne t'occupes que de l'instant présent. Mais que peux-tu bien penser? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as vu dehors? Un peu? Okay. Allez, vas-y. Aïe, j'espère que c'est pas trop mouillé. Non, ça va. Ça va, ça va. Ah. Allez, regarde. Pousse ton pied. Dans mes pieds, maman. C'est là. Allez, regarde.
Qu'est-ce que ça fait, maman? Allez, mets les pieds. Mets tes pieds. Vas-y, toi. Comme ça. Hop. Et comme ça. Tant pis, hein. J'y vais. Attention. Voilà. Toi aussi, tu fais comme maman, regarde. Vas-y, fais comme ça, toi. Encore. Voilà. C'est bien? Attends, maman, on va aller voir si elle trouve du bois. Bouge pas, il y en a juste là-bas. Être avec toi, nous en avons tant besoin. Ne pas te voir une journée est très difficile. Tu me manques tellement. J'ai besoin d'être collée à toi, de te sentir. Ton odeur est tellement addictive. Depuis toi et avec toi, fini les prises de tête. Nous allons à l'essentiel. Pour toi, nous avons voulu dégager du temps, nous libérer sur le plan professionnel, ne travailler que le matin et faire ainsi correspondre nos horaires avec les tiens. S'adapter à toi et non le contraire. Tu as dû arrêter l'école car cela ne te correspondait pas. Tu avais pourtant besoin d'être avec d'autres enfants. Et eux aussi avaient besoin de toi. De te côtoyer, pour apprendre à ne pas avoir peur de la différence, à devenir tolérant. L'école ne considérait finalement que les problèmes que tu pouvais poser, mais jamais tout ce que tu pouvais leur apporter. Tu veux que maman t'enterre les pieds ? Tu ne rentrais pas dans les compétences requises et tu étais non évaluable. Voilà tout ce que l'on a pu dire de toi à l'école. Des mots et moments très durs et difficiles pour une maman qui ne demandait que quelques encouragements pour les petits progrès que tu réalisais, dont j'étais terriblement fière. J'ai vraiment eu le sentiment que tu étais un fardeau et que cela manquait finalement, cruellement d'humanité. En fait, l'éducation nationale est beaucoup trop rigide. Les enseignants ne sont pas formés pour s'adapter et c'est une grande erreur. Tous les enfants sont différents et ils ont tous des besoins différents. Les compétences requises ne sont pas forcément les compétences nécessaires et indispensables à tous. Allez, viens, remonte à la voiture. Tu gardes ton bâton ? Allez, sinon tu mets les pieds. Le centre spécialisé était, lui, en région ajaxienne. La distance te fatiguait énormément et aggravait ton épilepsie. Nous ne te sentions pas épanouie et nous avons donc décidé de nous occuper de toi. Il y a tes copains. Ça fait longtemps qu'on n'est pas venu les voir. Elle est toute gentille. Le matin, tu restes avec ta nounou. Moi, je pars l'esprit tranquille, car je sais qu'elle gère tout parfaitement. Tu fais avec moi, hein, la main. Elle travaille avec toi sur ton autonomie. Ça fait mal, ils ont peur. Je ne veux pas que tu sois une charge totale, et je sais aussi combien tu aimes participer à la vie de famille. Tu auras pu lui redonner le pain. Voilà. Super, ça. Elle t'a beaucoup structuré. Vous avez tous les jours un programme. Avec elle, tu marches. Vous sortez beaucoup. Tu fais des puzzles, des activités manuelles. Vous allez au cheval, au stade ou encore à la piscine. Attention à tes petits doigts.
Enlève tes doigts de là. Tu mets juste au bord. Super. Le courant passe très bien entre vous. Il n'arrive pas. Tu arrives. Fais la caresse, vite. Je suis fière de toi et de tes progrès, du petit bonhomme que tu deviens. Regarde, on va lui jeter. Regarde, André. Hop. Allez. Au revoir. Au revoir, bisous. Au revoir. Allez, on s'en va. Chez nous, finalement, chacun a son rôle. Mathé, ton grand frère, est un point de relais qui veut te tirer vers le haut. Maman arrive à te faire faire des choses que moi, je n'arrive absolument pas à te faire faire. Comme par exemple faire caca. Tu me fais tourner en bourrique. Nous, on se fait 10 000 câlins par jour. On adore rester une heure sur le lit. Faire des câlins, faire la sieste, écouter de la musique. Il y a beaucoup de complicité entre nous. Cela passe par le regard, l'expression, la gestuelle. Je ne suis pas spécialement un papa joueur. Je joue à te faire peur, à faire la bagarre. Ça oui, sinon je suis plutôt un papa câlin. Et j'ai l'impression qu'il n'y a aucune incompréhension entre nous. Je n'aime pas te perdre de vue, ne fût-ce qu'une minute. Et je passe parfois mes journées à demander où est André. Tu ne réponds pas quand on t'appelle. Et ma peur est que tu te retrouves seul quelque part. Que ferais-tu? Où irais-tu? Te renfermerais-tu ou irais-tu vers la lumière? Tu es tellement dépendant de l'autre que ça renforce mon inquiétude pour l'avenir. Dieu? Non, l'autre, on les compte tous. Montre tous tes dents. Ton addiction à la nourriture m'agace et m'amuse. Deux. Trois. Quatre. Tu as toujours envie et besoin de manger. J'ai l'impression que tu vis pour manger. Bon. Tu es tellement heureux quand tu manges. Où sont tes doigts? Montre, où sont tes doigts? Tu adores aussi la télé, mais pas tout. Je sais. Montre. Winnie, la maison de Mickey, Jack et les pirates. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Tu as eu également ta période manier ces outils. D'accord. Un. Quand on te cherche, on te trouve souvent sur ton lit, avec Winnie, en train d'écouter la musique. Comment tu fais? Montre-moi, c'est toi qui le fais. Tu aimes les musiques corses essentiellement. Elles t'apaisent. Un, deux, trois. Nous avons l'impression de bien te connaître, de savoir ce que tu veux, mais est-ce vraiment la réalité? Tu sens, toi? Sens tes pieds? Sens. Sens. Ça sent bon? Sens.
fou, non, non, j'en veux plus. Non, non, non. C'est pas possible. Aïe. Pourquoi tu fais ça? C'est mon œil. Où est le tien, l'œil? Montre, où est ton œil à toi? Montre. Il est où? Il est là. Ton œil. Ta bouche. Où est mon œil à moi? Montre où est mon œil. Où est le mien? Tu vas pas faire d'autre maintenant? Tu vas faire d'autre? Non? Ensemble, nous faisons tellement de choses. On fait des puzzles. On va à la piscine. On joue aux petites voitures dans ta chambre. Je peux tout faire avec toi. Tous les matins, tu viens me réveiller en me sautant dessus. Et je te garde avec moi jusqu'au départ pour le collège. Je te douche tous les soirs. Tu adores l'eau. J'essaie de t'apprendre à te déshabiller, à te savonner, à te sécher et à te rhabiller. Je te laisse faire un maximum de choses, mais je suis là pour t'aider lorsqu'il le faut. Tu connais l'heure des repas, même si tu adores être dans la cuisine à toute heure. Tu adores les frites, le Nutella, les gâteaux et le jus d'orange. Tu aimes aller au restaurant, au stade de Fourian. Tu aimes les livres. Je ne sais pas vraiment si tu aimes les déchirer ou les regarder, mais tu les aimes. En fait, tu es un super coquin. Il t'arrive de me faire un câlin pour me prendre la télécommande qui finira peut-être dans la piscine. Si nous regardons un programme qui ne te plaît pas, tu te mets devant la télé et ça, ça énerve beaucoup papa. À table, tu pètes et tu rôtes. Et si papa te dit d'arrêter, tu te forces encore plus. Nous avons un super rituel que j'adore. Le soir, dès que nous avons fini de manger, tu prends la main de papa et tu l'emmènes dans la chambre. Et là, papa chante. J'aime ce moment car tu nous demandes des choses qui te rendent heureux. Et moi, te rendre heureux, j'adore. Montre-moi les pieds. Non, l'autre. Tu aimes le calme. Tu n'aimes pas l'agitation, sauf lorsque tu en es à l'origine. Tu adores faire des bêtises. Et même quand on t'engueule, tu essaies d'être content. Champion. Prêt, champion? Tu n'aimes pas que l'on soit énervé, même si ce n'est pas contre toi. Tu fais de plus en plus de choses au fil des années. Tu sais même faire le clin d'œil à ta façon, bien sûr. C'est toi le plus beau. Je suis très heureux. Allez, on y va. Je ne vois pas ce que je pourrais vouloir de plus, à part que tu parles. Oui, j'aimerais que tu parles. André, qui a ? Avant, j'avais tendance à te proposer beaucoup de choses, mais désormais je te laisse faire. Promener, jouer, rester au lit sans bouger, je ne me fixe plus d'objectifs avec toi. Mettre les ronds avec les carrés, par exemple, ça me faisait mal, m'énervait, et toi, ça t'embêtait. Des contrariétés, de l'énervement, c'était inutile. Mmh, c'est le bisou. Le bisou.
quel intérêt pour toi de savoir écrire ton prénom ? Compter, séparer le bleu du jaune, au-dessus, en dessous, à côté. Je veux que tu sois heureux, c'est l'essentiel. Notre famille a très bien accueilli ton arrivée. Et le bisou à moi. Une famille très attentive, proche, intéressée et protectrice, sur laquelle nous pouvons toujours compter. Un bisou. Tes grands-parents sont exceptionnels. Ils viennent te voir tous les jours. Avec toi, je n'ai pas eu besoin d'avis ou de conseils. J'ai fait avec ma propre idée. Maintenant, ça roule, et si ça ne roule pas, on fait aller. Au début, j'aurais aimé être conseillée. J'ai consulté des sites ou des médecins. Nous sommes allés dans les instituts pour réaliser finalement que nous ne sommes qu'un numéro à statistiques. Je regrette qu'il n'y ait pas assez de structures qui consacrent un vrai temps à des enfants comme toi, particulièrement dans notre région. On me propose un internat, une moitié de contrat rempli. En fait, c'est compliqué, hein, ça. Nous n'avons jamais eu à subir le regard des autres. Tu es tellement souriant et avenant que les gens te le rendent bien. Toujours beaucoup de gentillesse et de bonnes intentions envers toi et de toute façon, je me fiche de ce que pensent les autres. Tiens-toi, André, tu te lèves de la sieste ou quoi? Ouais. Hein? Fais le bien câlin à mamie. Oh, le câlin à mamie, je t'ai pas vu depuis hier. Tu as besoin de ta famille et nous avons besoin de toi. Ça va, mon cœur? Regarde ce que t'as oublié chez mamie. L'avenir m'inquiète un peu, mais heureusement qu'il y a Mathéo. Il aura cette charge, mais je sais qu'il en est heureux. Tu me regardes. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Oui, mamie, on va s'asseoir. J'aimerais aussi que tu puisses communiquer, car en dehors de nous, tu devras trouver des personnes qui auront envie de te comprendre. Quoi? Attention, juste ma liette marche sur les pieds. Quoi? Où tu veux aller? André, maintenant que tu as réglé la télé, où tu veux aller? Hein? Où tu veux aller? Maman, 6! Oui, encore, mais 6. Mathé est très protecteur envers toi et cela m'inquiète. Il serait capable de passer à côté de ses rêves pour toi. De ne pas se marier par exemple ou bien renoncer à n'importe quoi si c'est pour toi. Nous luttons beaucoup contre ça. Tu n'es pas un problème. Nous passons notre temps à le lui dire. Il doit faire sa vie. Inconsciemment, il se prive de certaines choses et s'inquiète constamment pour toi. Je suis consciente du fait qu'il y a eu des soucis permanents. Ton épilepsie, par exemple. L'école, nous pensions que c'était bon et boum, c'est tombé à l'eau. Alors nous avons voulu tenter un centre spécialisé à Ajaccio, mais là non plus, ce ne fut pas possible. Très peu de choses sont faites pour aider les parents au quotidien. Nous avons la chance de pouvoir nous libérer pour toi et de pouvoir payer quelqu'un qui s'occupe de toi. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent que tu serais mieux dans un centre. Il faut trouver des solutions. Apporter des réponses à nos questions. Faire de l'école une obligation.
former plus de personnel. Les politiques sont satisfaits de ce qu'ils mettent en place, mais finalement il n'y a rien. Quel retard sur des pays comme le Canada ou la Belgique. Là, c'est le plus heureux du monde. Il y a plein de nourriture, des bisous. C'est fini. Ouais. On dilapide tellement d'argent public. Pourquoi pas des centres par micro-région? C'est difficile pour les parents d'imaginer seuls un avenir pour leurs enfants. Demain matin, il a c'est ça, 2 heures matin. À l'école, on devrait ouvrir les portes à cette différence, mais non, on cloisonne. Ça dépend de la nuit qui passe, je t'appelle. Comme tu veux. Hein, ça dépend de la nuit qui passe. Ouais. S'il dort pas bien, s'il est fatigué. Pas bien, d'accord, allez, je t'appelle demain matin quand je me lève. Je me lève à 7 heures, je t'envoie un message. Je m'inquiète beaucoup pour l'avenir. Que va-t-il se passer quand nous ne serons plus là? J'essaie de me dire que je vais vivre très longtemps, car je n'ai pas le choix. De me dire que tu ne seras jamais seul et que tu ne manqueras jamais de rien. Ce que pensent les autres, je m'en moque. Celui-là, mets-le là. Ils pensent ce qu'ils veulent. Mais je n'aime pas qu'on te regarde bizarrement. Et celui-là. Ouais. Que l'on s'écarte en te voyant, comme si on avait peur de toi. Super, bravo. Fais bravo. Ça, ça m'énerve. Mais ça reste rare. Tout le monde t'aime, car tu es l'amour. Nos parents sont très dynamiques tous les deux. Ils gèrent tout très bien. Ils ont su tout faire pour que tu sois heureux. De force du diable. Je m'inquiète pour toi, pour ton avenir. Je me dis que tu ne pourras pas travailler. D'un côté, je me dis que c'est dommage, et de l'autre, je trouve ça bien. Car je te garderai toute ma vie avec moi. Je me dis toujours que si un jour j'ai une autre maison, il y aura toujours ta place, ta chambre. Si je pars à l'autre bout du monde, tu partiras avec moi. C'est une fierté de t'avoir. Tu es un enfant exceptionnel. Un jour, papa et maman ne seront plus là. Et ce sera à moi de m'occuper de toi. La simple idée de m'occuper de toi me convient et me rend très heureux. Je sais que je dois faire ma vie, mais tu fais partie de ma vie.
Donne-moi bien tes mains. C'est chaud. Voilà, on arrête un petit peu là. Allez, on descend doucement. Allez, on est pas là. Aujourd'hui, je me sens épanouie, positive. Nous avons trouvé notre équilibre. Je peux comprendre que la différence fasse peur. Mais je veux que les gens sachent que oui, il y a des préoccupations. Oui, c'est difficile. Oui, nous sommes toujours inquiets. Mais c'est tellement de bonheur, de joie, d'amour et de fierté que nous ne regretterons jamais de faire partie de ta vie où chaque progrès insignifiant est une grande victoire. Le simple fait de t'observer, de t'entendre ou encore de te sentir est une expérience bouleversante, mon amour. Thank you.